Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Fire Québec. Aujourd'hui, on est au Nouveau-Brunswick et on roule Sugarloaf. On a le parcours pour le Crankworx qui est en préparation. Fait qu'on peut voir sur la droite ici, on a le Dual Slalom. Et on va avoir le Slopestyle qui est en préparation. Fait qu'on a un bon kicker ici qui land bord caché. Ah bon, là. Un petit spin ici qui est cool. On va avoir un wall là-bas qui vont faire un tap. Il y a un canyon qui est fucking à pic là-bas. Un beau petit parcours. Pas très long, pas très gros. Je sais pas s'il y a un 6 obstacles à date. 1, 2, 3, 4, 5. À date, je vois 6 obstacles. Ça va quand même cool. Un petit chocolat. Pendant que je pense pas qu'il y ait grand monde, on va en profiter. Oh, que ça fait longtemps. Oh, que ça fait mal jumper, est-ce qu'il pousse? Oh! Toujours le pouce foulé, c'est un petit peu tannant. Faire du tech, ça allait bien. Faire des jump lines. Ouf! Ça se peut que ça soit ma seule! C'était plus le fun. Un genre de semi-slow flat en arrière. Tellement fun. Ouais, ça me fait mal jumper, ça va être ma seule. Profitez-en, moi tout j'en profite. Sugar Dad, tu flattes en arrière, oh non! Moi, je peux aller faire le spot sweep sur le flat. Ouais, fait que Sugarloaf, j'étais avec ma blonde. Ça sera pas la montagne que je vais faire le plus de laps avec vous autres. Mais quand je suis tout seul, je vais en profiter pour prendre quelques images. Là, on a une espèce de système d'équationnaire de fou qui s'en vient. On était supposé rouler Farland jeudi, Sugarloaf vendredi. Ah, des jeunes. Puis commis samedi, finalement la tempête est arrivée un petit peu plus vite que prévu. Oh, pas de problème. À gauche, je suis seul. Je suis seul, merci. Ça fait qu'on a comme devancé les plans, on l'a laissé faire Farlane. On roule jusqu'à 7h aujourd'hui, 7h30. Puis demain, on est supposé rouler, ben, on est probablement déjà dans la pluie, fait que ça sera ce que ça sera. Mais au moins, on roule la bike. C'est ça le plus important, notre fun. Ah. Pas de ligne Strava aujourd'hui. C'est de la chocolade. On les gonfle un peu. On va la jump line, que ça va être. Petite
route acadienne. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était les doubles, ça. Ça a l'air nouveau. Bon, un petit peu de tech. Faites à peu près la même erreur qu'avec Fred la dernière fois. Petite acadienne, petite double noire. Quand même assez basée. Drop. Drop comment? Oh, c'est ouais. Le plus drop qu'on avait. Ça. Ah. Ouais, on s'en va dedans en pluie. Maudit. Ça sera pas mon plus gros vidéo, malheureusement. De toute façon, j'ai tellement filmé Sugarloaf. Et oui, j'ai nettoyé mes freins, je sais pas pourquoi ça fait encore du bruit, désolé. Ça... Ah, il y avait une option à droite, j'ai comme pas vu c'était quoi. Merci, je suis seul. Merci. Yep. Tellement de belles pistes. J'ai pas un flow parfait dedans. Sans compter mon almost OTB au début. Il me fait pas l'hostie. On va aller voir la Swamp Donkey faire un petit test. Voir si ma blonde peut faire ça. Oh, elle a été refaite. Depuis quand c'est une jump line, la Swamp Donkey? Aïe, aïe. Oh, pas trop, hein? Ça... Rockin' Bullwinkle. OK, il y a plusieurs nouvelles pistes. Bon, ça fait un changement. Ça... Des affaires qui sont un peu sketch, honnêtement. Il y a des sauts que je veux comme pas trop pogner. Parce que les arbres passent proches. Puis, mettons ça, tu le sautes pas trop. La piste est cool, par exemple. Si, moi! OK. Fait que c'est ça ici, j'amène pas ma blonde, elle trippera pas. OK, je teste pas. Fait que ça, j'avais entendu qu'il avait fait des nouvelles sections, des nouvelles pistes. Ça semble être plus rocailleux qu'avant. Parce que je me rappelais de la montagne, c'était très très tapé. Tu sais, ici, c'est limite une autoroute, puis là, on voit qu'il y a beaucoup de rocs qui sont sortis. OK, hey, ça a creusé avec les années. Aïe, aïe. Et... Ça.
Bam. On essaie de la place un peu. De toute façon, on ne se pas. Thank you. Ah, il s'est vraiment rendu plus magané qu'avant. Ça. Et c'était plusieurs pistes. Oh, si.